Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing d'une figurine que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. Bon, la figurine, je vais vous être honnête avec vous, il y a de fortes chances qu'elle soit fausse, mais j'aimerais voir la qualité, à quoi elle ressemble. Donc vraiment de fortes chances qu'elle soit fausse parce que je l'ai commandée sur le site d'AliExpress et AliExpress a tendance à avoir des fausses, mais je pense que pour le prix, ça valait le coup. Donc j'ai sauté sur l'occasion, bon j'ai attendu un bon moment, j'ai bien réfléchi, j'ai bien regardé s'il y avait d'autres moyens d'avoir la vraie, mais bon, j'avais pas les finances à ce moment-là, donc du coup, voilà. Je vais l'ouvrir, je l'ai reçu dans un petit carton comme ça, donc c'est une preuve que voilà, déjà rien que ça, ça veut dire que c'est une fausse. Alors, je vais l'ouvrir avec vous. Oh là là. Bon, on va... Là, j'ai des ciseaux. Je me suis coupé un cheveu au passage. Donc là, c'est autre chose. Alors, voyons voir. Oui, ah bah oui, c'est évident que c'est une fausse. Hein. C'est évident. D'ailleurs, Dien V l'a présenté il n'y a pas si longtemps que ça, cette figurine. Waouh, elle est grosse. Il a présenté la vraie. Je vous mettrai le lien. Normalement, il doit avoir un petit i. Vous verrez, c'est laquelle je l'apparaîtrai au moment où je montrerai la figurine. Je la mettrai. Alors, déjà, rien que ça, c'est ça qui m'a indiqué que c'est une fausse. Parce que la vraie, son socle est rouge. Rien que ça, déjà sur la photo, ça me l'a dit. Mais je le savais à l'achat. Je le savais à l'achat et je l'ai eu pour 9 euros, alors je vais pas m'en plaindre. Hein, franchement. 9 euros lui d'une vingtaine, bon. Voilà quoi, c'est pas. C'est pas à se plaindre pour cette figurine. Oh, le visage reste quand même correct. Je vais vous montrer qui c'est. Voilà, c'est Gohan. Donc là, au moment où je vous parle, il devrait y avoir l'avis de JNV qui en a parlé et lui, c'est une vraie. Contrairement à moi, donc voilà. Le visage reste quand même bien fait. Alors, il y a le défaut là, peut-être. Je sais pas si vous verrez un peu ici la couleur des cheveux, peut-être quelques petits défauts, voir que c'est une vraie, mais une fausse. Mais voilà, ça reste assez correct, je trouve, pour une fausse. Franchement, ça vaut quoi. Là, c'est les petites jambes. Il y a les cheveux là, je suis désolée. Voilà, des petites jambes ici. Non, reste quand même assez correct. On voit bien les blessures et tout ça, les petites pliures, tout ça. Vous ferez un petit zoom, on va monter tout ça, voir ce qu'on en pense. Alors je pense qu'elle tiendra pas comparée à la vraie figurine. Elle reste quand même assez costaud. Hein. Pouh, elle est loin. Gohan qui est mon perso préféré. Alors c'est peut-être une fausse, certes, mais bon. Quand je retrouverai une autre vraie, soit Japan, soit autre, je l'achèterai. Mais là j'avais envie de sauter sur cette occasion. Je voulais la voir, je voulais voir à quoi ressemblait. Et voilà, je suis pas déçue, puis au prix où je l'ai payé, bon, pas à plaindre. Elle reste quand même correcte, mais on voit que c'est une fausse, hein, parce que j'ai eu l'occasion de voir les images que JNV a tournées, qu'il a fait tout simplement. Et je le vois à certains détails que c'est une fausse, notamment bah, rien qu'au toucher, ça brille un peu. Les pics sont pas aussi plastiques, là ça fait vraiment plastique quand on regarde de près. Vraiment, bon, voilà. Alors je pense pas qu'elle tienne, alors je vais la mettre à côté de mes deux liasses. Et ouais, voilà, c'est ça. Normalement la vraie elle tient, et là elle tient pas, donc ça veut tout dire. Donc en gros il faut que je mette le socle à son pied, et normalement elle devrait tenir. Alors je vais voir comment on peut mettre le socle. Ouais, voilà, avec le socle, même le socle tient pas. Alors pour vous dire, bref, je la mettrai quelque part. Vous voyez d'ailleurs l'ancienne figurine que j'ai ouvert il y a pas longtemps. Bah pour vous s'il y a pas longtemps, mais pour moi, bah pour vous plutôt. Je veux dire, pour vous, c'est il y a 2 ou 3 semaines, mais pour moi, ça fait que 5-10 minutes. Donc voilà. Bref, une belle figurine quand même. Un bon petit, une belle petite figurine. Elle fait un peu jouer, c'est vrai. Gohan a un petit peu tendance à loucher, si vous regardez bien là. Mais voilà, je reste quand même assez contente. Et puis, quand j'aurai l'occasion, j'achèterai une autre version. Parce que je veux pas avec la ceinture rouge, je voudrais avec la ceinture violette. Bref, je vais voir si je trouve une autre occasion d'acheter Gohan d'une autre manière, d'une autre position que celle-ci. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. Est-ce que vous aimez toujours autant les vidéos unboxing? Normalement, ça devrait être la dernière parce que là, c'est bon, j'ai tout reçu, tous les lots que je voulais. Donc ça devrait être la dernière. Je vous laisse avec les plans de ce Gohan qui, j'espère, je vais réussir à le faire tenir. Bref, sur ce, je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Bye!